Donc on est dans le carrousel du Louvre. Comme vous le voyez ici au milieu, les escalators servent pour les personnes qui ne visitent pas l'Apple Store. Et ici au milieu, il y a donc le trajet avec les petites personnes de la sécurité. Ça en suit ici, on continue. Et c'est là que ça devient marrant, c'est qu'il y a quand même énormément de monde un petit peu plus loin, avec au fond la pyramide inversée. Et l'Apple Store se trouve sur notre droite. Placement produit stratégique dans le carrousel du Louvre, tout pour nettoyer votre Mac, ça va du balai à l'éponge en passant par les petites époussettes. On descend gentiment. Et l'entrée dans l'Apple Store. Salut! Donc à l'Apple Store du Louvre qui a enfin ouvert. Comme vous le voyez derrière moi, c'est l'entrée des artistes, c'est-à-dire que chaque personne qui arrive dans l'Apple Store est accueillie avec un superbe petit t-shirt du Louvre en forme de pyramide et est chaleureusement encouragée à faire du bruit pour montrer qu'on est bien à Paris et qu'on est content d'arriver à l'Apple Store. Vous avez ensuite ici en haut tout ce qui est accessoire, donc avec le célèbre escalier en verre ici, tout ce qui est accessoire en haut, les palettes Wacom, les housses in-case, les logiciels Microsoft Office, etc. Vous avez toutes les housses pour vos iPhones. En bas, comme vous le voyez, c'est tout l'espace ordinateur, iPod, c'est le matériel Apple, comme on l'aime, avec un superbe design, des prix qui sont ce qu'ils sont, mais surtout de la qualité. Et tous les gens ici sont vraiment très heureux de participer à l'événement, et c'est ça qui est important. Donc, nous sommes donc à l'espace Mac, la personne que je voulais interroger à l'espace enfant s'est volatilisée, c'est dommage. Vous avez donc, comme vous le voyez, l'espace enfant ici avec deux petits iMac 21,5 pouces à disposition, avec des jeux, etc. pour faire plaisir aux plus jeunes. Vous avez juste derrière là-bas des petits MacBook Pro qui sont encore une fois en libre service. Ensuite vous avez toute la gamme, tout simplement les MacBook Pro 13 qui sont là en aluminium, avec des gens qui les utilisent, c'est fait pour, on touche le matériel chez Apple. Vous avez les autres portables, les iMac sont là-bas un petit peu plus loin, on va aller faire un saut. Tout est très propre, très bien agencé et les gens apprécient le matériel, ça se voit. Voilà, on est donc à l'étage maintenant de l'Apple Store du Louvre. Apple. Il m'a coupé, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Vous avez donc sur votre droite là-bas tout ce qui est matériel son, le matos Bose, vous savez j'en suis très fan, toutes les housses pour votre iPhone, différents câbles, différents connecteurs, il y a tout et même plus encore. Derrière moi le Genius Bar, vous avez une question sur du matos Apple, vous avez besoin d'un spécialiste, c'est ici que ça se passe. Il y a des gars avec des caméras plus grosses que moi, on joue un petit peu dans la cour des petits. Et derrière tous les softs, donc iLife, Microsoft Office, il y a d'autres petits trucs, Poser 7, QuickX, Flash. Et après au fond là-bas vous avez ce qui est disque dur, donc les disques durs là si, et les housses in case, la petite housse orange me fait du coin de l'œil, je pense qu'on va aller la voir d'un petit peu plus près et pourquoi pas un test bientôt. Voilà, c'est comme ça que se termine notre petite visite de l'Apple Store du Louvre Paris. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, il y a des gens qui rentrent en bas, vous le voyez, on applaudit tout le monde. N'oubliez pas que ce podcast est disponible sur locan.fr, Mac Plus et wheelofmac.net. À très bientôt.